Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le premier épisode de la première saison de notre podcast Épistémé, l'émission de l'histoire des sciences. Épistémé, c'est le titre de la série BD que nous avons faite avec J.B. Mébec. Épistémé, en grec, c'est la connaissance. Et donc, cette bande dessinée, elle nous raconte comment s'est construite la connaissance dans le temps et depuis les temps les plus anciens. Et donc, J.B. Mébec est le scénariste et dessinateur de cette bande dessinée. Et de son côté, Pascal Marchand, qui enseigne l'histoire des sciences depuis plusieurs années à l'université Paul Sabatier de Toulouse, y présente l'histoire des idées scientifiques durant l'Antiquité pour ce premier tome. Et de mon côté, j'assure la narration et le dessin. On aura d'autres tomes qui viendront dans le futur, qui traiteront de l'époque médiévale, de la Renaissance, des temps modernes et de la période contemporaine jusqu'au XXe siècle. Dans la BD, donc ce premier tome qui s'appelle Eureka, nous n'avons toujours pas eu le temps de traiter en profondeur toutes les théories scientifiques présentées, étant donné la quantité de matière à traiter, le nombre de personnages. Alors, on a eu l'idée de créer cette émission. Nous y inviterons des scientifiques, des historiens, des vulgarisateurs, pour nous parler d'un thème abordé dans la BD et l'investiguer plus profondément. Et nous serons assistés dans cette tâche par les jeunes étudiants et lycéens qui fréquentent l'archipel de Tournefeuille, qui nous accueillent. L'archipel, c'est un tiers-lieu associatif qui fait la part belle à l'éducation populaire. Merci à eux. Et aujourd'hui, donc, on reçoit Agatha Liévin-Bazin et Bonjour. Ainhoa, qui est une jeune qui fréquente l'archipel aussi et qu'on Bonjour. présentera tout à l'heure. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va se placer avant même le commencement de l'histoire de la science et très en amont des premières découvertes scientifiques. On va parler de l'intelligence des animaux. Car nous, humains, nous sommes des animaux au même titre que nos chiens et nos chats, nos oiseaux, grenouilles, fourmis et kangourous qui peuplent encore notre planète. Mais nous ne sommes pas les seuls à être dotés d'une certaine capacité à nous adapter à notre environnement, ce qui est une certaine définition de l'intelligence. Mais sommes-nous les seuls à avoir un langage, à manipuler des outils, à réaliser des tâches nécessitant un raisonnement compliqué? Sommes-nous seuls, nous humains, à être intelligents, à faire de la science? On a abordé le sujet rapidement dans la BD et on va vous montrer ça dans une petite animation que voilà. Mais l'apparition des outils chez les hommes préhistoriques, c'était pas déjà de la science? Nope. Même les animaux peuvent utiliser des outils. On l'observe depuis les années 60. Du coup, on en reparlera dans le tome 5. Le tome 5. Il y a des mammifères qui font ça. Les singes, évidemment. Chita, clic 12. Oui, patron. Des éléphants, des loutres de mer. On s'arrête à une douzaine par personne, sinon ça fait trop. Mais aussi des oiseaux. T'as vu? Ils mangent avec des baguettes. Et même certains poissons utilisent des outils. Des poissons, n'importe quoi. Au secours! Très belle animation, merci JB. Nous allons en parler plus en détail avec notre invitée aujourd'hui. Donc c'est Agatha Liévin-Bazin, qui est docteur en éthologie, mais elle ne fait pas que ça. Elle est aussi vulgarisatrice scientifique, c'est-à-dire en gros, elle est blogueuse, youtubeuse, podcasteuse. Elle fait des conférences, elle est conseillère scientifique, elle est essayiste aussi, et puis elle intervient sous forme de théâtre pour vulgariser la science. Et du coup, Agatha, avant de parler de tout ça, je te propose de regarder un micro-trottoir qui a été réalisé par Ainhoa, mais aussi Paul, Louis et Karana, qui, donc Ainhoa est une lycéenne qui se prépare à une carrière scientifique et qui, avec ses camarades, est allée sur le terrain pour recueillir un certain nombre d'impressions sur les animaux et la façon dont ils sont ou pas intelligents. On regarde ça tout de suite et on se retrouve tout de suite après. On va poser une petite question. Est-ce que tu penses que les animaux sont intelligents? Selon moi, oui, ils ont leur propre intelligence. Oui. C'est une bonne question. Non, j'y crois moins, cela. Mais bien sûr. Oui. Oui. Non, après, tous, je sais pas. Mais ouais, je pense que c'est intelligent. Est-ce que tu pourrais me donner un petit exemple d'un animal que je trouve super intelligent? Comme le chien. Non, les chiens sont très intelligents aussi. Le premier exemple qui vient en tête, c'est par exemple les chiens aident aveugles. Le perroquet. Les chiens, ils sont très intelligents, mais ils n'ont pas le même concept d'intelligence que les humains.
Je pense pas qu'il y en ait des plus intelligents que les autres. Les dauphins, ils parlent entre eux. Et même les chiens, ils comprennent ce qui les entoure. Les chiens. Les poissons rouges, ils réfléchissent pas, par exemple. Les animaux particuliers, comme les orques, on a des objets qui sont aussi capables d'évoluer d'après leur propre culture personnelle. Le moustique, parce que le moustique, il est très intelligent, parce que quand il sait repérer le sang, les transpirations et plein d'autres choses. Moi j'ai 5 chats et je les trouve intelligents. Enfin, ils peuvent obéir à certains trucs, ils répondent à leur nom, donc je les trouve intelligents. J'ai un petit chien d'ailleurs, que j'ai mis une barrière pour l'empêcher de monter mes escaliers. Et il a réussi à trouver une petite fente pour se faufiler et monter quand même les escaliers. Selon moi, les hommes, ça descend un peu des singes. Donc je me dis, les singes, c'est des animaux, donc c'est assez intelligent. Et puis nous, on est intelligents. À votre avis, quels sont les animaux les plus propices à faire de la science? Alors, singes, souris. Est-ce que vous pensez qu'un jour, l'intelligence des hommes sera la même que celle des animaux, voire ils pourraient nous surpasser? Oui. Vu le monde dans lequel on vit, pourrait, oui. Par exemple, quels animaux en question? Bonne question. Le singe, peut-être. Pour en avoir vu dans un autre pays, peut-être, ouais. Ah, très intéressant ce micro-trottoir. Merci Ainhoa, merci Paul, Louis et Karana. Agatha, je reviens vers toi et pour rappeler que le titre de ta dernière chronique, c'était « Tout ce que vous croyez savoir sur les animaux est faux ou presque ». Du coup, à ton avis, ce qu'on vient de voir là dans le micro-trottoir, est-ce que ça donne un bon aperçu de la vision du grand public sur le comportement des animaux? Je le pense, en tout cas, c'est vrai qu'on a un large panel d'intervenants et ce que je trouve rassurant, c'est que sur la question « Est-ce que les animaux sont intelligents ?» globalement, tout le monde est d'accord. Donc c'est plutôt rassurant parce que c'était pas le cas à toutes les époques. Mais ce qu'on retrouve assez généralement, c'est que ce sont certains animaux qu'on met en avant, surtout les mammifères, donc ceux qui nous ressemblent le plus. Il y a beaucoup de choses sur les singes. Il y a d'ailleurs eu plusieurs remarques sur les humains descendent des singes, donc c'est normal que les singes soient futés. Bon, alors, nous sommes des primates, on ne descend pas des singes. Ça, c'est une nuance que tout le monde n'a pas sur la théorie de l'évolution, mais c'est un autre sujet. Mais il y a cette idée que des très proches cousins, vu que nous sommes futés, ils le sont. Il y a pas mal de choses, tu l'avais dit, qui revenaient souvent sur les chiens. Et c'est assez rigolo parce que les gens comprennent bien que les chiens sont très utiles, notamment les chiens d'assistance, les chiens qui aident les personnes handicapées, aveugles, etc. Et qui sont très obéissants, c'est-à-dire qu'ils apprennent, qu'ils comprennent des mots, qu'ils sont capables d'aller rechercher un objet. Et c'est intéressant parce que ce sont des animaux qu'on côtoie au quotidien, donc ce sont des animaux de compagnie. Et on estime qu'ils sont intelligents parce qu'ils répondent bien à ce qu'on leur demande. Ça, moi, à mon sens, alors c'est pas faux, les chiens sont très futés, mais ça veut dire qu'on estime qu'ils sont intelligents parce qu'ils sont capables de répondre à ce qu'on leur demande, et ça, c'est de l'anthropomorphisme en partie, parce que ça veut dire que ce qui est important, c'est l'humain qui est au centre, et on définit l'intelligence des autres animaux en fonction de la nôtre. Et l'une des choses un peu absentes, et ça aussi dit un moment, c'est que les autres animaux, on les évoque pas. Qu'est-ce que l'intelligence des serpents? À un moment donné, il y a une référence aux poissons. Est-ce que les poissons sont stupides en 3 secondes de mémoire? Eh bien non! Les poissons sont très futés. Les poissons rouges, on sait qu'ils peuvent se souvenir d'un événement 3 mois plus tard l'avoir vécu. Donc, je ne vais plus voir mes poissons rouges de la même façon. Oui. Tout à fait. Donc c'est assez rigolo. Et il y en a donc qui ont, à ma connaissance... Enfin, si, il y a un petit garçon qui parle des moustiques, à un moment donné, qui dit que les moustiques, ils sont très intelligents parce qu'ils peuvent percevoir la transpiration de leur proie, etc. Alors je trouve ça intéressant qu'il ait parlé d'insectes, parce que les insectes sont des grands oubliés de l'intelligence animale. Mais, donc là, ça donne des interrogations sur la notion d'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? Et ça, tout le monde n'est pas d'accord. Mais pour répondre à ce petit garçon, ça c'est plus de l'adaptation et comment est-ce que le moustique a évolué pour trouver sa nourriture, plus que de la résolution de problèmes que l'on définit dans l'intelligence. Mais ça, on y reviendra peut-être, sur la définition. Oui, alors justement, je disais tout à l'heure que tu étais docteur en éthologie et tu as travaillé dans un laboratoire où tu as fait ta thèse, qui s'appelait « Éthologie et cognition comparée ». Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on entend par ça? Alors oui, c'est des termes qui peuvent paraître un peu barbares. La cognition, c'est un terme qui veut dire comment est-ce qu'on cherche la connaissance. La cognition, c'est vraiment comment est-ce que les animaux vont résoudre des problèmes, apprendre, comment est-ce qu'ils récupèrent des informations dans leur environnement pour répondre à un souci. C'est aussi parfois synonyme avec intelligence, mais le terme d'intelligence, il y a aussi quelqu'un dans le micro-trottoir qui disait « il y a plusieurs intelligences » et elle a raison.
Et on peut la définir de plusieurs façons, il n'y a pas une seule intelligence. Donc la cognition comparée, c'est l'idée de s'intéresser à ces questions-là, la résolution de problèmes, la mémoire, l'apprentissage, et on essaie de le comparer chez plusieurs espèces, soit qui sont très proches, pour essayer de voir justement les points communs ou les différences, ou des espèces très différentes. Pourquoi pas s'intéresser, ça se fait assez peu quand c'est très éloigné, mais à la mémoire du lézard et d'un primate par exemple. Alors, toi, tu es spécialiste plutôt des oiseaux, d'après ce que j'ai vu dans ta thèse, tu as travaillé sur les corbeaux et les perruches. Pourquoi travailler sur les oiseaux ? Est-ce que c'est intéressant à travailler du point de vue de la cognition ? Parce qu'a priori, on se dit ils ont des toutes petites têtes. C'est vrai. Et puis, voilà. Quand on creuse dans le langage courant, les oiseaux, ils sont rarement mis en avant. Hein. C'est ouais. Être le dindon de la farce, se faire pigeonner, être bête comme une oie. Ouais. Souvent, les oiseaux ne sont linotte. Pas bien vus. Tête de linotte, exactement. Et en fait, les oiseaux, eh bien, on s'y intéressait un peu sur le tard, mais on s'est rendu compte qu'ils étaient très forts pour apprendre, qu'ils avaient une mémoire assez développée. Et il y a deux grandes familles superstars, ce sont celles que moi j'ai étudiées, donc les perroquets et les corbeaux. On s'est rendu compte, même si ça ne fait pas tout, que par rapport à leur taille, ils avaient un très gros cerveau. Si on fait le rapport entre la taille du corps et la taille du cerveau, ils ont un très gros cerveau, qui est comparable à celui des chimpanzés, par exemple. D'accord. Donc, ils sont pas une si petite tête que ça. Donc, c'est surtout les deux familles sur lesquelles on s'intéresse beaucoup, mais les autres oiseaux sont aussi intéressants. Après, voilà, il y a d'autres variables qui font qu'on s'intéresse à certaines espèces. Il faut aussi qu'elles soient faciles à étudier, qu'on puisse éventuellement les étudier en laboratoire, etc. Mais les corbeaux et les perroquets sont un peu les superstars. En plus, ce sont des animaux qui vivent très longtemps. S'il leur arrive pas de soucis, les grands perroquets, les grands corbeaux, ils peuvent vivre 30, 40, 50 ans. Donc on peut faire des choses vraiment sur la durée. Ce sont des animaux qui ont des vies sociales très intéressantes. Souvent, ils forment des couples fidèles, parfois pour toute la vie. Donc là aussi, surtout ce qui est vie sociale, mémoire aussi, est-ce qu'on se souvient de ce qui s'est passé à 6 mois, 2 ans, 5 ans ? On peut faire plein de choses. Et vraiment, les oiseaux, on s'y intéresse vraiment de manière très intense depuis, on va dire, 30 ans. Parce que sur certaines tâches, ils sont aussi bons, voire meilleurs que les chimpanzés et les grands singes. D'accord. Ouais. Okay. Et alors, pour ce qui concerne les oiseaux, mais aussi d'autres espèces, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'animaux qui utilisent justement des outils de manière un peu spectaculaire ou intéressante ? Alors, ce qui est un petit peu rigolo, c'est que l'utilisation d'outils, jusqu'à ce qu'il y ait une primatologue qui s'appelle Jane Goodall, qui est toujours active sur tout ce qui est conservation, sauvegarde des espèces. En fait, elle a publié le premier papier qui démontre l'utilisation d'outils chez des animaux qui ne sont pas des humains en 1964. Avant ça, on pensait que l'outil, c'était vraiment que chez l'être humain. Donc déjà, ça a un petit peu bouleversé tout le monde. Il y avait l'anthropologue qui l'accompagnait, qui a dit « Bon, bah, à partir de maintenant, il faut redéfinir l'outil, redéfinir l'humain ou accepter les chimpanzés comme des êtres humains, puisque les chimpanzés peuvent utiliser des outils. » Donc 1964, et les chimpanzés sont en effet très forts pour utiliser des outils. L'une des observations que Jane Goodall elle a fait en nature, c'est qu'il récupère des espèces de brindilles et il les insère dans les trous des termitières. Les termites, les insectes mordent dedans, puis hop, ils ont qu'à les enlever et ils les mangent comme ça, petite paille. Ils cassent des grosses noix avec des cailloux aussi, des roches. Et ils sont capables de ce qu'on appelle l'utilisation d'outils séquentiels, c'est-à-dire on utilise plusieurs outils différents à la suite pour résoudre une même tâche. Okay. Par exemple, ils sont capables de récupérer du miel, parce qu'il y a des abeilles sauvages qui font des essaims, et en fait ils sont capables de, par exemple, avec un type de bâton, casser la ruche, avec un autre type, ouvrir le trou, avec un autre encore, avec souvent des racines, récupérer le miel qui coule, et ils utilisent comme ça des outils pour différentes fonctions. Toujours des oiseaux, ça ? Toujours des chimpanzés. Des chimpanzés. Des chimpanzés. Okay. Tout ça, c'est des chimpanzés. Donc ça, les grands singes, on s'y est beaucoup intéressés. On s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas les seuls à utiliser des outils. Il y a d'autres singes plus petits, les singes capucins, par exemple, qui utilisent aussi des cailloux pour ouvrir des noix. On a vu d'autres mammifères. Il y a les loutres de mer, par exemple, qui utilisent des cailloux. Elles mettent des coquillages sur leur poitrine et puis elles cassent en tapant dessus. Et là où ça a aussi un petit peu bouleversé tout le monde, c'est qu'au milieu des années 90, on s'est rendu compte que le corbeau calédonien, donc il y a un corbeau qui ne vit qu'en Nouvelle-Calédonie, savait utiliser des outils. Mais il ne fait pas que les utiliser, il sait les fabriquer aussi. Et ça, c'est un niveau au-dessus, parce que prendre un caillou et l'utiliser, c'est une chose, mais savoir fabriquer un outil qui va nous servir ensuite, c'est plus compliqué. Et le corbeau calédonien, il fait deux types d'outils, soit il découpe des languettes
dans des feuilles d'un arbre particulier qui a des petits picots sur le bord de la feuille, qu'il utilise comme les chimpanzés pour aller chercher des insectes dans des troncs. Mmh. Et il fait un autre type d'outil où il récupère, on va dire, une branche d'arbre et il coupe toutes les tiges, les feuilles, et il garde que le crochet de la tige au milieu pour aller pêcher, c'est comme des hameçons, pêcher les insectes avec. Et ça, c'était mieux des années 90, et ça a bouleversé tout le monde, parce qu'en plus, la définition de l'outil, c'est aussi un petit peu touchy, tout le monde n'est pas d'accord, mais quand on n'a pas de bras, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Parce que la définition de l'outil, c'est vraiment, on prend un objet détaché de son support, donc par exemple, il faut que ce soit une branche cassée de l'arbre, si elle est sur l'arbre, c'est pas un outil. Mmh. Et il faut vraiment manipuler l'objet directement au moment de l'utiliser. Par exemple, les goélands qui jettent un coquillage par terre alors qu'ils sont en vol, on ne le catégorise pas comme de l'outil. D'accord. Donc là, quand on a un oiseau qui, avec son bec, manipule une branche, c'était assez révolutionnaire. Et dans la BD, on montre un poisson qui lance un coquillage. Alors, c'est un outil ou pas, finalement? Eh bah, bien, tout le monde n'est pas d'accord. Ah, mais oui, c'est un grand débat. En effet, on s'est rendu compte que d'autres animaux, il y a les pieuvres aussi. Il y a certaines pieuvres qui récupèrent des morceaux de noix de coco et qui s'enferment dedans, qui se cachent et qui s'en servent comme abri. Et ce fameux poisson, bah, ça, c'est une observation, je crois que c'est 2009, 2010, c'est relativement récent, où on voit en effet un poisson qui prend un coquillage et qui le jette contre un rocher. On serait tenté de dire que oui, mais vu qu'il n'a pas de bras, il ne peut pas faire de manipulation directe. Mais ça pose aussi la question de nos biais à nous et de comment est-ce qu'on définit. Parce que c'est vrai que nous, on se place dans notre position d'humain. Quand on utilise un outil, c'est avec nos mains. Mais le poisson, il n'a pas beaucoup d'autres solutions. Et bien, la question n'est pas tranchée. Donc on attend d'avoir plus d'informations sur ce fameux poisson. Okay. Qui le fait? Est-ce que tous les poissons le font? Ou est-ce que c'était ce poisson-là qui avait eu cette idée d'utilisation? Et là, c'est encore tout nouveau. Puis c'est un peu le souci des animaux sous-marins, c'est qu'on a du mal à les observer en direct. Parce qu'il faut s'équiper, plonger, mais ça serait passionnant d'avoir plus d'infos sur ce fameux poisson. Okay. Et oui, donc en fait, on a plusieurs choses. On a l'outil, on a l'intelligence, et ensuite on a l'humain ou l'animal. Et donc du coup, si on dit qu'un animal est capable de réaliser une tâche avec un outil, est-ce que ça veut dire qu'il a une forme d'intelligence? Est-ce que c'est une forme d'intelligence qui ressemble à la nôtre? Ou est-ce que c'est nous qui, finalement, projetons nos propres façons de fonctionner sur les animaux en disant, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, hein, ils sont intelligents puisqu'ils font comme nous. Mais c'est peut-être pas la même forme d'intelligence et c'est peut-être pas la même forme d'outil. Complètement. Et c'est une question compliquée parce que, en effet, cette question des outils, elle a passionné et elle continue de passionner la communauté scientifique. Parce que, justement, et c'est une des naissances de l'éthologie. L'éthologie en tant que discipline, donc l'étude du comportement animal, elle est née en comparant les autres espèces à l'humain. On a essayé de chercher chez les autres animaux ce qui nous caractérisait, et on a essayé de définir quel était le propre de l'être humain. Qu'est-ce qui est unique à l'être humain? Et c'est pour ça qu'on est allé voir ce qui existait ailleurs. Et cette question de l'outil, en effet, beaucoup de scientifiques s'en sont emparés en essayant de chercher quels autres animaux, et bien sûr, on se dit, ah bah les animaux qui savent utiliser les outils, ils sont quand même très intelligents. Sauf que ça veut pas dire que ceux qui n'utilisent pas les outils ne le sont pas, en fait. Parce que l'outil, déjà, c'est quand même assez rare au niveau du monde animal. Il n'y a pas des centaines d'espèces qui l'utilisent, même si on se rend compte qu'il y en a de plus en plus. Et l'outil, il est nécessaire que dans certaines conditions. Par exemple, je donne un exemple comme ça. Pendant très longtemps, par exemple, on pensait que les perroquets n'utilisaient pas les outils. Parce que les perroquets, ils ont un très gros bec qui leur sert un peu de troisième pince. Ils peuvent à peu près ouvrir toutes les noix, tous les objets possibles. À quoi ça leur servirait d'utiliser un outil? Et puis, bah, en 2012, il y a une scientifique un petit peu par hasard qui étudiait les cacatoès de Goffin, qui sont des petits perroquets blancs à crête, qui vivent en Indonésie. Et un beau matin, dans son labo, elle a vu ce perroquet arracher un bout de bois de son enclos et l'utiliser pour racler une cacahuète qui était hors de sa portée. C'est de l'utilisation et de la fabrication d'outils. Ça, c'était en 2012. Tout le monde était sur les fesses en se disant « Waouh, incroyable !» Et elle a envoyé une équipe sur le terrain en Indonésie pour voir si les cacatoès sauvages le faisaient aussi. Parce qu'on peut se dire peut-être que lui le fait juste en laboratoire parce qu'il a été élevé proche des êtres humains, etc. Donc, il s'avère que ces cacatoès le font aussi en milieu naturel. Donc, peut-être que c'est pas si rare. Mais voilà, il y a vraiment cette nécessité. Pareil pour le caroubeau calédonien, il utilise l'outil vraisemblablement parce qu'en Nouvelle-Calédonie, enfin c'est une théorie bien sûr, il n'y a pas de pic en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de pivert, il n'y a pas ces oiseaux qui sont capables d'aller chercher des larves dans le tronc. Donc on peut se dire, il y a toutes ces larves que personne n'est armé pour aller chercher,
Donc c'est pertinent de développer cette technique de l'outil dans cette île, dans ces conditions-là, dans ce milieu-là. Mais il y a des fois où c'est pas du tout nécessaire et où ils n'ont pas besoin de recourir à l'outil. Donc je me suis un peu éloignée, j'ai beaucoup parlé. Mais... C'est pour ça en même temps. Voilà. Oui, je sais bien. Mais du coup, pour cette histoire d'outils, nous, ça nous interpelle et on a envie de creuser cette question parce qu'en effet, ça ressemble à ce que nous, on connaît chez l'humain. Je pense que pour savoir utiliser les outils, on y reviendra peut-être, mais on se rend compte que les animaux, souvent, il y a une part de choses qu'ils savent faire spontanément. Par exemple, les petits corbeaux calédoniens, quand ils sont bébés, ils manipulent spontanément des brindilles, mais on s'est rendu compte qu'ils savaient les utiliser avec précision quand il y a un adulte qui leur montre. Donc il y a un mélange des deux. Et ce que je veux dire avec ça, je suis en train de perdre le fil de ma pensée. C'est pas grave, je vais rebondir exactement sur ce que tu viens de dire, et ce sera peut-être la dernière question de cette première partie, mais chez nous, c'est vrai que chez les humains, quand il y a un outil, il y a aussi la transmission d'un savoir-faire, et donc il y a ce qu'on peut appeler quelquefois une culture professionnelle, un ensemble de gestes qui savent à repérer un vrai professionnel, un expert, d'un novice, etc. Donc une forme d'apprentissage qui se transmet d'une génération ou l'autre, ou d'un statut à l'autre. Et donc la question, c'était ça, est-ce qu'il existe ce type de culture, d'outils, de transmission de savoir chez les animaux, ou est-ce que ça, c'est purement humain ? Eh bien non, la culture, ça existe aussi, et la culture de l'outil, ça existe aussi chez les autres animaux. Et ça, c'est aussi des découvertes récentes, qui datent, oui, du milieu des années 90. Pour revenir aux chimpanzés, par exemple, il y a une communauté au Sénégal, dans le parc de Fongoli, qui fabriquent des lances. Parce que les chimpanzés mangent de tout, et ils chassent aussi d'autres singes et des petites antilopes. Et dans cette communauté, mais ce sont les seuls chimpanzés au monde qui le font, certains animaux donc arrachent des branches, ils les taillent avec les dents, ils font des lances, et ils vont harponner des petits primates qui s'appellent des galagos, qui sont nocturnes, qui dorment dans des troncs d'arbres. Et donc les chimpanzés, hop, vont chasser, et ça ne retrouve que... ils font des brochettes, exactement. Et ça n'a été observé nulle part ailleurs, alors qu'il y a plein d'autres endroits en Afrique où il y a et des chimpanzés, et des branches, et des galagos, et où ils auraient pu développer cette technique-là. Mais comme tu le disais, il y a cette idée, dans la transmission culturelle, où il y a forcément un moment où il y a de l'apprentissage social, donc les petits observent les adultes faire, ou les adultes entre eux apprennent les uns des autres. C'est limité à une communauté, à un groupe d'individus, à un seul endroit donné, et ça se retrouve de génération en génération. Chez les oiseaux calédoniens, c'est le cas aussi. On s'est rendu compte, mais ça c'est encore en recherche, que sur ces fameuses languettes qu'ils découpent dans les feuilles, il y a trois formes d'objets qui existent. Des languettes fines toutes droites, des languettes épaisses toutes droites, et puis celle qui est la plus répandue qu'on trouve dans toute l'île principale de Nouvelle-Calédonie, qui est en forme d'escalier. C'est-à-dire qu'il y a un bout large, pratique pour manipuler avec le bec, et une pointe fine pour aller chercher l'insecte en précision. Et ça va même encore plus fort, parce que non seulement il y a une transmission potentiellement culturelle, mais on pense que c'est de la création cumulative, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y a eu un objet simple qui s'est complexifié potentiellement au fur et à mesure. Et ça, jusqu'à présent, on ne l'avait vu que chez l'être humain. Eh bien, merci Agatha pour toutes ces réponses. Donc on se demande un peu ce qu'il nous reste comme propre de l'homme. Hein. Et on va passer à la deuxième partie de l'entretien, qui sera assurée non plus par Pascal et moi, mais par des jeunes de l'archipel, dont Ainoa, qui est là. On est maintenant en compagnie aussi de Octave, qui est un élève de première et qui se destine à des études de biologie et qui vient de nous rejoindre. Bonjour Octave. Bonjour. Alors, avant de vous laisser tous les deux poser des questions à notre invitée Agatha, Ainoa, donc tu as réalisé donc le micro-trottoir avec Paul, Louis et Karana. Qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience de micro-trottoir ? Quelle réflexion ça t'inspire ? Ben, c'était assez intéressant. Les gens, c'est vrai, comme tu as dit, souvent leur première réponse était oui. Et du coup, il fallait quand même les inciter à parler plus. Et, oui, à la question... Est-ce que les animaux sont intelligents ? D'accord. Et c'est vrai que souvent, le chien revenait beaucoup parce que... il nous écoute, il est assis, et aussi, c'était marrant de voir les personnes qui ont un chien, ils sont très fiers, ils disent « Oui, mon chien, il s'assoit, et quand je dis d'aller ramasser la balle, il le fait. Enfin, » Il y a une certaine fierté avec les chiens, puis les chats aussi, et puis... non, c'est très intéressant, et que vraiment tout le monde pense... Moi, je pensais qu'il y a certaines personnes qui allaient dire
Non, ils sont pas intelligents, vraiment. Oui, ça m'a surpris aussi que tout le monde soit d'accord. Oui, ils sont tous d'accord. Voilà, c'est... Bon, super. Voilà. Bah, je vous laisse poser des... Interviewer Agatha, voilà. Je n'ai rien préparé, mais bien sûr, j'ai quelques questions. Alors, d'abord, j'ai vu dans le micro-trottoir qu'on comparait souvent l'intelligence des humains aux autres animaux. Mais en fait, c'est une question un peu trans, parce que c'est plutôt le mécanisme qui change et le fonctionnement, parce que je comprends pas trop comment on pourrait comparer, vu que ça n'a pas du tout... Il y a plein d'espèces, de mammifères, et même d'autres mammifères qui sont très intelligents aussi, qui ont... Oui, et puis il y a aussi des différences de structure. Par exemple, c'est ce que je disais à un moment, pendant longtemps on a pensé que les oiseaux étaient stupides, parce que leur cerveau est petit et qu'il est tout lisse. Nous, nos cerveaux de mammifères, il y a ce qu'on appelle des circonvolutions, il y a plein de petits replis. Et en fait, rien que pour ça, vu que physiquement les cerveaux n'étaient pas faits pareil, on s'est dit, bah, la zone du cerveau chez les mammifères, elle est là, chez les oiseaux, on ne la retrouve pas, donc c'est qu'elle ne doit pas y être. Sauf que quand on regarde et qu'on s'éloigne de notre vision de mammifère, on se rend compte qu'on n'a pas besoin que ce soit les mêmes structures qui vont donner les mêmes résultats. Comme, je ne sais pas moi, c'est un mauvais exemple. Quoi, si il y a un frigo et un ventilateur qui ont tous les deux du froid et le résultat est le même, même si les deux objets sont très différents. Et on s'est rendu compte, par exemple, pour le cerveau des oiseaux, qu'ils étaient câblés différemment. Ils ont une quantité de neurones beaucoup plus rassemblés au même endroit. Parce qu'eux, ils ont la contrainte de devoir rester légers pour voler. Donc ils sont obligés d'avoir un cerveau différent d'une autre. Et en effet, quand on compare... ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les médias, de se dire « Ce perroquet est intelligent comme un enfant de 4 ans !» Et en fait, c'est parce que ça touche les gens, de se dire « On compare !» Mais sauf qu'un perroquet, dans la vraie vie, il va pas être confronté aux mêmes problèmes à résoudre qu'un enfant humain. Et en fait, c'est pas pour autant qu'il y en a un qui est plus futé que l'autre. Mais... nous sommes humains et on aime beaucoup parler de nous et c'est pour ça qu'on joue beaucoup là-dessus. Mais des fois c'est intéressant aussi de comparer, il y a eu beaucoup d'études par exemple entre les chimpanzés et les êtres humains parce que derrière ça les scientifiques s'intéressent à comprendre notre histoire évolutive, de comment est-ce que avec nos plus proches cousins on a eu des différences de comportement, qu'est-ce qui a provoqué ça. Et c'est en faisant ce genre de comparaison qu'on y arrive. Donc c'est pertinent, mais il faut abandonner cette idée qu'il y en a des plus intelligents que d'autres, et que souvent c'est nous, en plus, qui sont plus intelligents que les autres. Dans le micro-trottoir, souvent les gens répondent à ça, parce que l'autre question c'était quels autres animaux pensez-vous peuvent dépasser les humains ? J'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a une jeune fille qui a parlé des orques, et moi je suis tout à fait d'accord avec elle, les orques... Les fourmis peut-être aussi, clairement on fait pas le poids face à eux, parce qu'ils sont aussi futés mais ils sont 5 fois plus forts que nous, donc les orques il faut pas les ennuyer. Mais il y a vraiment cette idée de... Et souvent les gens disent oui mais nous on fait des robots et on fait des voitures, mais pour autant, imaginons, je veux pas être défaitiste, mais que la situation environnementale se dégrade et que pour une raison ou pour une autre on perd l'accès à certaines ressources, qui s'en sortira mieux dans la nature sauvage ? C'est pas dit que ce soit l'être humain. Il y a peut-être d'autres animaux qui sont mieux adaptés à certaines contraintes et qui s'en sortiront mieux que nous. Donc, c'est pas comparable. C'est intéressant, mais il faut oublier ce truc de... Il y a une pyramide avec un chef tout en haut qui est plus futé que tous les autres. Ok. Et du coup, moi, j'avais une question parce que, par exemple, dans les films, il y a pas mal de films où on voit les animaux qui... gagne de l'intelligence, je sais pas comment dire, mais par exemple la planète des singes, où les chimpanzés ils deviennent vraiment intelligents, après Ant-Man aussi, où c'est plus, elle montre comment les fourmis sont organisées entre elles et tout ça, enfin il y a plein de films comme ça et de séries qui parlent vraiment de cette intelligence, et du coup est-ce que ces films ils sont assez réalistes, ou est-ce que c'est juste on prend l'intelligence humaine et on la met sur les animaux plutôt? Bah, dans les exemples que tu cites, alors j'ai pas vu Ant-Man, mais dans ceux que j'ai vus de la planète des singes, il y a beaucoup ça. En gros, souvent, le scénario de départ, c'est on fait des expériences, nous les humains, sur les animaux, et on leur injecte un truc qui va développer leur cerveau et faire qu'ils vont gagner quelque chose. Mais dans mon souvenir, moi j'avais vu le premier là, de la nouvelle saga, les chimpanzés, en fait, ce qui montre qu'ils deviennent plus intelligents, c'est qu'ils se mettent à être bipèdes. Les chimpanzés sont déjà bipèdes. En vrai, s'ils veulent marcher longtemps sur leurs pattes arrière, ils peuvent le faire. Ils le font moins longtemps que nous, mais ils peuvent le faire. Ils peuvent se mettre à parler.
Alors, c'est vrai que nous, on a le langage articulé, mmh. mais les chimpanzés, ils n'ont pas besoin de parler pour se comprendre entre oui. chimpanzés. Donc ça, ils peuvent déjà le faire, en vrai. Hein. Faire, s'organiser et communiquer entre eux pour faire un truc collectif, ça, ils savent déjà mmh. le faire. C'est juste que c'est pas sous notre prisme. Et je crois qu'il y avait même... là, j'étais un peu dubitative au cinéma, où à la fin, ils montent sur des chevaux. Et on oui. dit, ah ouais, ouais, ok. Mais ça, on a quelques pistes. On se demande s'il n'y a pas déjà aussi certaines collaborations. Alors, pas de chimpanzés qui grimpent sur le dos des chevaux, mais des collaborations entre espèces différentes. Donc finalement, moi, j'avais pas l'impression qu'ils étaient beaucoup plus intelligents qu'ils ne le sont déjà. C'est juste qu'on leur a collé oui. de ce que nous, on définit comme des marques d'intelligence et d'évolution, je mets des guillemets, qui font qu'on s'en sort bien dans la vie. Mais les chimpanzés s'en sortent très bien, oui. ils n'ont pas besoin de tout ça. Donc pour moi, c'est pas très très réaliste. Pour Ant-Man, les fourmis, pareil, alors je sais pas ce qu'il mettait en avant dans le film. En gros, c'est Ant-Man, c'est un super-héros qui serait très petit, ouais. la taille des fourmis, et en fait, il... comment il s'appelle ? Pym ? Ouais, en gros, il a développé quelque chose qui connecte les fourmis avec Ant-Man. Mm-hmm. Et Ant-Man utilise les fourmis pour... il y a des fourmis qui volent pour le transporter à des endroits et tout ça. Okay. Et du coup, c'est même chose qu'il y a une espèce de collaboration entre différentes espèces de fourmis aussi. Mm-hmm. Et ça montre quand même une certaine intelligence de la part des fourmis dans le film, de comprendre ce qu'on leur demande et qu'elles le réalisent, quoi. Mais du coup, ça ressemble un petit peu à ce que disaient les gens avec les chiens, au final. Oui. Ça veut dire que les fourmis sont intelligentes parce qu'elles font ce qu'on leur demande. Ouais. Est-ce que c'est comme ça qu'on le mesure ? Bon, parce que les fourmis, en vrai, savent déjà faire des trucs extraordinaires. Mmh. Enfin, y a des fourmis qui peuvent faire des radeaux sur l'eau où elles se tiennent les unes contre les autres et elles descendent des rivières comme ça, dans des radeaux, en flottant tout ensemble. Elles font des fourmilières qui peuvent faire des surfaces gigantesques avec des systèmes d'aération, de recyclage des déchets qu'on peut que leur envier parce qu'elles oui. font déjà tout ça. Et elles ont une organisation, il y a aussi des fourmis chasse aussi, et elles sont très très fortes. Ça fait un peu écho au petit garçon qui parlait des moustiques, qui parlait d'intelligence parce que le moustique perçoit. Pour moi, ça rentre pas dans la notion d'intelligence, mais c'est juste qu'ils ont des super pouvoirs que nous on n'a pas. Et les fourmis ont ça aussi, elles sont très très fortes pour détecter les phéromones qui sont des odeurs qu'elles déposent au sol par exemple pour indiquer de la nourriture. Et nous, notre nez il est ultra mauvais. Nous, ouais. Dans la nature, pour retrouver ce genre de choses, on n'a pas du tout ça qui a été mis en avant. Et elles sont extrêmement fortes pour trouver des toutes petites quantités de nourriture, des fois très loin, et surtout pour se passer l'information entre elles. Oui. Il suffit qu'elles se touchent du bout des antennes ou qu'elles échangent une odeur pour se passer l'information. Alors c'est ça, dans ce que disait Ainhoa, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est cette espèce de division du travail social oui. chez fourmis, donc dans Ant-Man par exemple, mais dont on sait que effectivement ça a une réalité dans certaines espèces animales, et où ça, donc la hiérarchisation du travail et la division des tâches, on pensait que c'était quand même propre aux sociétés humaines. Et effectivement, pas tant que ça. Non, même pas du tout. Oui. C'est... Et il y a d'autres espèces sociales plus proches de nous, par exemple chez les mammifères, des animaux qui vivent en société. Moi, souvent, je cite les suricates parce que c'est très mignon. Les suricates, c'est Timon dans le Roi Lion. Oui. C'est ces animaux où, pareil, il y a des rôles. Il y en a qui guettent, qui vérifient qu'il n'y a pas de... Il y a des nourrices. Les petits naissent à peu près tous en même temps. Et donc, il y a plein de membres du groupe qui s'en occupent. Il y a ceux qui vont chercher la nourriture. Et vraiment, ils se répartissent... les rôles comme ça, et voilà, c'est clairement pas que chez nous. Et aussi, du coup, on a parlé un peu de la collaboration entre les différentes espèces. Du coup, est-ce que le fait que certaines espèces collaborent pour la survie, comme je pense, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais les requins et les petits poissons qui sont protégés, ouais, voilà. qui se ventousent en dessous. Et du coup, est-ce que c'est aussi un signe d'intelligence, un peu de se dire on va s'entraider parce que tu m'apportes quelque chose et moi, en retour, je te donne quelque chose d'autre? Alors, ce qui est compliqué avec ce genre de coopération, c'est qu'en fait, en général, parce qu'il y a toujours des contre-exemples dans la vie, on se dit toujours, c'est toujours comme ça, et puis il y a pouf, 2 ans plus tard, on découvre un exemple qui vient tout mettre à plat. Généralement, ces entraides, elles se maintiennent dans le temps parce qu'elles sont bénéfiques. C'est-à-dire que les animaux qui créent ces interactions, soit ils ont plus de nourriture, soit ils se reproduisent mieux, donc... c'est quelque chose qui est maintenu au fil du temps. Ça, c'est un des mécanismes de ce qu'on appelle la sélection naturelle, donc l'évolution. Il n'y a pas forcément de notion d'intelligence, si je puis dire. C'est juste qu'à un moment donné, peut-être par hasard... Alors,
Est-ce que les premiers qui ont eu l'idée étaient plus intelligents? Ça peut être, puisque c'est un nouveau comportement. On parle d'innovation, quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Est-ce que le premier rémora qui s'est collé sous le requin était très futé? C'est dit, ah, c'est un bon plan, peut-être qu'il faut que je fasse ça. Mais ça veut dire que chaque rémora va pas y réfléchir en essence, disant, et si je m'associe avec le requin? Oui. Vu que ça fait des centaines de milliers d'années que ça fonctionne comme ça, il y a des associations qui se font sans forcément qu'il y ait de réflexion individuelle au niveau de l'individu. Mais c'est très difficile ça de l'étudier. Comment savoir comment s'est créée cette entraide pour la première fois? Et ça, malheureusement, bah, il faudrait avoir des informations d'il y a très longtemps, oui. Mais le comportement ne se fossilise pas. Donc on ne peut pas faire d'archéologie sur ce genre de choses. Alors ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on compare des espèces différentes et on observe par exemple lesquelles le font, lesquelles ne le font pas, dans quel milieu est-ce que ça a apparu, pour essayer de comprendre quels étaient les besoins et les contraintes du milieu pour que ça apparaisse à ce moment-là, pour essayer de comprendre bah, qu'est-ce qui a favorisé cette entraide. Mais des entraides entre animaux très différents, il y en a plein. Il y en a même aussi des fois entre des animaux et des plantes, entre des champignons et des plantes. Et c'est vraiment, c'est vraiment très intéressant. Et il y a même des fois de l'entraide entre des humains et des animaux non humains. Donc, je trouve ça assez fascinant. Mais je pense pas qu'on puisse le qualifier d'intelligence. C'est vrai qu'on n'est pas revenu sur la définition. Je ne sais pas si vous voulez qu'on revienne dessus maintenant. L'une des définitions qu'on utilise pour définir l'intelligence, alors faut prendre avec des pincettes parce que tous les scientifiques ne donneraient pas la même, mais il y a vraiment cette idée de flexibilité et d'idée de résoudre des problèmes et de répondre à des problèmes provoqués par l'environnement. L'intelligence, c'est vraiment un animal dans un milieu donné qui va se débrouiller avec ce qu'il a appris au cours de sa vie pour résoudre quelque chose qu'il a peut-être jamais rencontré à un moment donné. Donc c'est comme si on vous catapultait dans un endroit où vous n'êtes jamais allé, avec, une gourde d'eau, un briquet, et on vous laisse vous débrouiller, et on regarde si vous avez des idées pour vous en sortir. Ouais. Sachant que vous savez déjà utiliser un briquet, et que vous savez déjà utiliser certains trucs. Oui. C'est un escape game. Un peu, ouais. Et l'idée c'est ça, de voir à quel point, et on peut mesurer l'intelligence pour voir à quelle rapidité vous allez résoudre le problème, etc. Mais il y a vraiment cette idée de flexibilité et de résolution de problèmes pour mesurer l'intelligence. Super. Donc, t'as une question encore ? Donc, je voulais ajouter, ça n'a vraiment pas vraiment un lien avec ce qu'on pense, nous, d'être intelligent en tant que... sans vraiment connaître la définition. Donc, nous, on associe ça plutôt à une personnification, j'ai l'impression. Donc, ça peut être, par exemple, les exemples avec... Ouais. Les instructions aux chiens, il répond, et des choses comme ça. Du coup, moi, la majorité des gens le voient comme ça, plutôt que vraiment... Après, c'est vrai que l'exemple du chien qui répond, en vrai, les chiens sont très intelligents dans le sens où ils arrivent à associer très vite ce que tu leur demandes et souvent une récompense. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité d'apprentissage, ce qui fait, tu vois, ils sont capables d'apprendre rapidement. Quand on me demande la balle, le mot balle, c'est cet objet-là, et si je le ramène, je vais avoir à manger. Donc ça veut dire qu'il a réussi à faire toutes ces associations assez vite. Et ça rentre dans l'intelligence, la vitesse avec laquelle il va comprendre ce qu'on lui demande et y répondre. Mais oui, en effet, il y a d'autres questions qui avaient été abordées dans le micro-trottoir où c'est moins le cas. C'est vrai que... quand ils disent les humains ils font des voitures et pas les autres animaux, pour moi ça montre pas qu'il y a une différence d'intelligence, parce que à quoi ça sert à un corbeau de savoir faire une voiture? Oui. Donc ils volent. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, merci pour cet entretien, c'était vraiment super intéressant. Alors on va passer maintenant à une rubrique qu'on inaugure forcément, c'est la chronique. Donc c'est Pascal qui va l'assurer aujourd'hui. Jingle. Pascal, comme tous les ans du 6 au 16 octobre, on a fêté la science en France. Et pour cette 32e édition donc, de la fête de la science, le thème était sport et science. C'est un drôle de thème, non ? C'est sûr que si je te demande de penser à un scientifique, c'est peut-être pas tout de suite une image de corps athlétique qui va te venir à l'esprit. Et inversement, les sportifs de haut niveau, on va bien avouer que quelquefois, il nous arrive de nous moquer de leur culture générale. Bon, tout ça, c'est un peu des caricatures et des stéréotypes, et surtout, l'histoire des sciences nous montre que ça n'a pas toujours été comme ça. Pythagore, par exemple, tout le monde a entendu parler de Pythagore, c'était un champion olympique. Voilà, ce n'est pas que le mathématicien. Et Platon aussi était assez fort en EPS à son époque.
Donc il y avait chez les premiers scientifiques un peu ce programme antique qu'on entend quelquefois du mens sana in corpore sano, c'est-à-dire avoir un corps sain dans un esprit sain. Avoir un esprit sain dans un corps sain, pardon. Mais ça, c'était il y a longtemps. Hein. Et maintenant, comment ça se passe ? Maintenant, c'est vrai qu'on entend souvent deux choses qui semblent n'avoir aucun rapport, mais on va voir. La première chose, c'est le niveau baisse, et la deuxième chose, c'est l'obésité augmente. Alors, première chose, est-ce que le niveau baisse vraiment ? C'est en tout cas ce que laisse entendre une récente, très récente note d'alerte du Conseil scientifique de l'éducation nationale, ça date de septembre dernier, qui montre que les jeunes ne savent plus répondre comme avant à des questions qui pouvaient paraître assez simples. Par exemple, si on demande de positionner un demi sur une règle graduée de 0 à 5, on a 50% d'erreurs chez les collégiens, les lycéens. Et en plus, ça semble s'aggraver depuis quelques années. Et pourtant, les jeunes, ils manipulent les outils numériques parfois mieux, beaucoup mieux que leurs profs ou que leurs parents, non ? En tout cas, beaucoup mieux que moi, ça c'est sûr. Mais on vient d'en parler avec notre invité. Les animaux sont aussi capables d'utiliser les outils. Et certains pensent aussi qu'ils sont capables d'une forme de raisonnement, voire même qu'ils sont dotés de sensibilité. Pour autant, je ne pense pas qu'ils sachent placer un demi sur une règle graduée de 0 à 5. Donc, utiliser un outil, ça ne fait pas forcément raisonner. Bon. Et alors, sur la deuxième chose, l'obésité augmente. C'est vrai ? C'est grave ? Les dernières études montrent effectivement que le taux d'obésité augmente en France, qu'il a doublé en 25 ans et même quadruplé chez les plus jeunes. Et donc, on pourrait imaginer que ça n'a rien à voir avec les capacités intellectuelles, mais en fait, des études assez récentes montrent que faire du sport, ça permet de stimuler son cerveau. Le sport protège la mémoire et ça stimule l'apprentissage. Bon, alors on fait quoi ? On met les baskets et on se motive. Manger, bouger et cogiter avant que les animaux nous rattrapent. Merci Pascal pour cette chronique formidable et merci à tous d'avoir participé à cette émission qui va maintenant s'achever. C'était passionnant. Merci à Ainhoa et à tous les jeunes également. Merci Agatha Liévin-Bazin. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur les réseaux sous le pseudo de Dr Agatha McPie. Et je conseille à tout le monde de visiter ton site internet lenidepie.com. On mettra l'adresse en description. Donc, il y a toute ton actualité, normalement ? Oui, alors là, il est en train de se faire retaper, mais je pense qu'en peu de temps, il sera tout beau, tout neuf. Mais oui, on peut retrouver les prochaines dates où j'interviens pour des conférences, pour des signatures. On peut retrouver mes émissions de podcast que vous citiez pour ma fameuse chronique. Qui s'appelle, donc, l'émission de radio s'appelle Le Nid de Pie. Et tout ça à partir du site, on peut retrouver tout ça. Et tu... on peut te retrouver au sein de ta compagnie théâtrale Science Comedy Show, dans laquelle tu interviens, sous quelle forme exactement ? Pour la fête de la science notamment, on va beaucoup dans des collèges, dans des lycées, on fait ce qu'on appelle du deal de science, donc on est grimé, on a des petites cartes avec des anecdotes et des portraits de scientifiques, et on va parler de science aux jeunes, et puis on intervient aussi avec des quiz, avec plein de choses, pour sensibiliser tout ce beau monde aux sciences, et notamment pousser tout le monde, les jeunes, les filles, les étudiants issus des minorités, à faire de la science, parce que c'est pour tout le monde. Super. Alors tu as écrit quelques livres ou co-écrit, donc un des derniers c'est Mythos Animaux, édition Saltimbanque en 2023. Il n'y a que d'émotions, co-écrit avec Charlotte Duranton, édition Milan, septembre 2022. Alice au Pays des Sciences, aux 10 éditions Belin, janvier 2022. Société Animale, ces animaux qui vivent ensemble, et puis aux éditions Circonflexe. Et puis ta participation à des ouvrages collectifs, Les intelligences animales et La science à contre-pied. Et je crois que tu as un livre qui est sorti récemment. Oui, fin octobre, un bouquin sur lequel on est trois à avoir travaillé avec mes collègues Tania Louis et Ella Eberlé, qui s'appelle La battle du vivant, qui sort aux éditions de Book. Et l'idée que l'on a eue, c'est de faire un bouquin qui parle des trois grands règnes, donc les plantes, les animaux et les micro-organismes, les bactéries, les virus dont on ne s'inquiète que quand il y a des pandémies, mais qui sont là au quotidien et qui ont plein de choses passionnantes, et on voulait les comparer, c'est pour ça que ça s'appelle la battle, sur les grandes fonctions du vivant. Donc qui est le plus fort pour se nourrir, pour vivre vieux, entre un séquoia, un virus et un tardigrade qui peut se dessécher à l'infini. On a essayé de mettre toutes ces créatures en compétition et essayer de voir lequel s'en sortait le mieux. Super, bon on va essayer de mettre ta bibliographie en description. Alors, la prochaine émission, Pascal ? La prochaine émission, celle-ci s'achève, et merci encore à Agatha, Ainhoa et à l'Archipel.
On est en train de réfléchir à la prochaine émission qui devrait être sur les origines de la pensée scientifique au temps préhistorique. Donc c'est en train de se mettre en place, les contacts vont être pris et on compte sur vous pour nous aider à la monter et bien sûr ensuite pour la visionner. Voilà, donc on est encore au tout début de la science, même un peu avant. Voilà, on va se quitter. Je vous propose de vous abonner à la chaîne ou au podcast pour ne pas rater la prochaine émission. Vous pouvez mettre les petites cloches. Cette vidéo est visible sur YouTube et sur la plateforme Skepticon, qui est un YouTube libre open source dédié à l'esprit critique. Et je vous dis merci à tous et à toutes, et à bientôt.